Salut à tous! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer trois méthodes que j'utilise régulièrement pour étirer mon afro. Quand est-ce que j'étire mon afro? Donc j'étire mon afro après mon wash and go, mon twist out, pour donner un peu plus de volume et de longueur. Avant d'aller me coucher pour retrouver la longueur le lendemain matin. Et après un temps humide, lorsque mon afro a bien rétréci. Donc on va essayer d'étirer la racine et la longueur tout en gardant les boucles aux pointes. Donc je vais vous montrer trois méthodes. Une méthode sur cheveux longs, une méthode sur cheveux mi-longs pour avoir un peu plus de longueur et une méthode sur cheveux courts ou pour avoir un maximum de longueur et de volume. Donc sur cheveux longs et pour avoir un peu d'étirement et de volume, je vais faire un chignon serré. Je viens de faire un wash and go et donc je n'ai pas beaucoup de longueur ni beaucoup de volume. Et je vais donc utiliser un vieux chouchou d'ailleurs qui est très vieux. Je vais ramener mes cheveux en hauteur. Et je vais faire un chignon. Je vais faire en sorte d'attraper les bouts avec le chouchou pour bien étirer la longueur. Et avant d'aller me coucher, je vais donc attacher mes cheveux avec un foulard, ce qui va me permettre encore plus d'étirer mes cheveux. Le lendemain matin, je vais enlever mon foulard, enlever l'élastique, le chouchou, et je vais remettre en forme mon afro. Ok, donc une deuxième méthode sur cheveux mi-longs, pour avoir un peu plus d'étirement, c'est de faire deux petits chignons. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser deux petits élastiques et je vais faire deux chignons en hauteur, bien serrés. Et même chose, je vais attraper les bouts et je vais les coincer dans l'élastique. Et donc, même chose, je vais attacher mes cheveux la nuit. Et le lendemain matin, j'enlève le foulard et je remets en forme mon afro. Et donc dernière méthode sur cheveux un peu plus courts ou pour avoir un max de longueur et de volume, c'est de faire 4 petits chignons. Et donc même chose, je vais utiliser les mêmes élastiques, séparer mes cheveux en 4, faire 4 petits chignons bien serrés et en hauteur. On ne veut pas faire les chignons sur le côté parce que ça va être difficile pour dormir avec. Et même chose, j'attache mes cheveux la nuit. Le lendemain matin, j'enlève le foulard et je remets en forme mon afro. Donc on peut voir que malgré le fait que pour la vidéo, j'ai pas dormi avec les chignons, on peut quand même voir que l'espace de 5 minutes, mes cheveux sont déjà bien allongés. Alors imaginez l'espace d'une nuit quoi. Sans chaleur, ça vaut vraiment le coup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me faire part si vous avez d'autres méthodes pour étirer votre afro. Et aussi si vous voulez que je traite un sujet particulier. À plus tard, bisous!